Bonjour. En ce jour béni où l'on célèbre le Sacré-Cœur de Jésus, nous sommes le 16 juin, vendredi. Dans toutes les langues du monde, le mot « cœur » est synonyme d'accueil, de tendresse, de miséricorde, de compassion et d'amour. Nul mieux que Jésus n'a su révéler la bonté du cœur de Dieu, son attention aux petits et à leur misère au quotidien. Jésus a vécu cet amour dans un oubli constant de lui-même, jusqu'au don suprême de la croix. Recueillons-nous pour entrer dans cet évangile. Cœur de sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 11, versets 25 à 30. Alléluia, alléluia. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Unissons-nous à cette belle prière de Jésus dans l'action de grâce, une louange, un merci. Père, je te loue pour la vie que tu me donnes, la santé pour pouvoir travailler, prendre soin de ceux que tu places sur ma route, ma famille. Père, je te loue pour les dons et les fruits de l'Esprit-Saint. Père, je te rends grâce d'avoir à l'avance posé ton regard sur moi et m'avoir attiré à Jésus. Père, je te rends grâce pour tout ce que tu permets dans ma vie. Autant les joies et la grâce d'accepter les épreuves pour les vivre selon ta volonté. Pour mon salut et le salut du monde, garde-moi toujours, Seigneur, Père bienveillant, dans l'action de grâce et l'émerveillement. Père, garde-moi pauvre et petite, humble, car c'est à ceux que tu révèles les petits. Père, dans ta bonté, tu nous as tout donné. Donne-nous d'être généreux à notre tour. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Le poids du fardeau, c'est quand on se regarde et on oublie de le remettre à Dieu. Pour ma part, j'ai tendance à faire ça, amener ma barque seule. Mais quand j'en prends conscience, je lui remets, ça change tout. Ça devient moins lourd, ça lui donne un sens plus missionnaire. Je me tourne plus vers les besoins et demandes des autres. J'ai tellement le privilège d'avoir été choisi par Jésus, Père, Fils et Esprit-Saint, qui sont doux et humbles de cœur, et je retrouve le repos. Oui, mon fardeau est léger, mon joug est facile à porter quand je le vis avec lui, pour lui et en lui. Alors, redisons ensemble cette belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, je vous aime et vous adore par le cœur immaculé de Marie. À chaque intention qui me sont confiées, je me dis que ton règne vienne, Seigneur, dans cette situation, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je demande au Seigneur de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Que la joie, la paix et l'amour soient toujours avec nous. Je souhaite de passer une belle semaine. Amen.